C'est la dernière vidéo sur les cascades de Bohol aux Philippines. J'ai fait deux autres vidéos sur les cascades de Bohol aux Philippines. Ces vidéos concernaient la cascade de Kinaugan, la source froide de Kanwa et la cascade jumelle de Paango. Cette vidéo parle de la cascade de Kamugao, qui est à mon avis la meilleure. De plus, c'est la plus chère pour y accéder. Elle coûte 300 pesos plus 200 pesos supplémentaires pour le guide. Avoir un guide touristique est une exigence pour ces cascades. Ce que vous me regardez, c'est en train de marcher vers la cascade de Kamugao. La seule chose que je vais dire est la suivante parce que les gens ont besoin de le savoir. Aucun des habitants ne s'assoit sous l'eau qui coule des chutes ou sur les rochers à côté de la cascade. Les ours défèquent dans les bois. En fait, les ours défèquent partout. Dans les bois, dans les rivières, dans les lacs, partout où ils veulent. C'est également le cas de tous les autres animaux, y compris les humains. Toutes les rivières et tous les ruisseaux se trouvent en aval de l'endroit où les animaux défèquent. Ainsi, lorsqu'il pleut, une bonne partie de ces excréments se déverse dans les rivières et les ruisseaux. Et toutes les cascades sont en aval de toutes les rivières et ruisseaux. Ainsi, l'eau qui coule de la cascade peut être remplie de merde. Toutes sortes de merde, provenant de toutes sortes d'animaux, y compris des excréments humains. Si vous vous asseyez sur les rochers à côté de l'endroit où l'eau coule sur la cascade, votre short sentira la merde quand vous rentrerez à la maison parce que vous serez assis dans la merde. Abonnez-vous pour que je puisse acheter un bateau. J'ai besoin d'abonnés pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube et acheter un bateau. How old are you, sir? 60. 50? No, 60. 50? No, 6. Huh? 60. 60? Oh. 60, yeah. It's very young. Very young. How old are you, by the way? 49. Oh, okay. Oh, yes.
Oh yeah, I got it. Hey guys. Hello. Hello. I don't think there's any way. Yeah. Yeah, guys. It's about the best one, I think.